Bonjour à tous, ici Alex du Québec pour un autre test de Dino Crisis pour PlayStation 1, édité par Capcom. C'est un survival horror. Et puis, continuons immédiatement où est-ce qu'on était rendu dans la partie 2. Et voilà, prenons notre partie. Oui, c'est celle-là. Putain de merde. Et voilà, nous étions ici. Prenons cette disquette. Et oui, et voilà. D'accord, sortons de la pièce. Oh putain! Je crois qu'il y a un dinosaure. Bordel de merde. Allons-y. Oh putain! Allons ici. Et voilà. Oh putain! Je crois que un autre disquette qui va servir pour les portes. Oh putain! Oh putain! Prends ce connard! Et voilà. Des dards. Ça sert à endormir les reptiles à long terme. Et voilà. 3 balles, il est mort. Je suis en mode facile. En mode dur, ça va être très dur, les amis. Continuons. Et voilà. Allons par ici. Oh putain! Nous sommes pris ici, les amis. Nous allons retourner en haut. Par ici. Et voilà. Ici, c'est la excusez, la pièce pour sauver. Soit on sort ou on rentre. Oh putain! Et c'est ça, c'est une place pour sauver. Je crois que j'ai trouvé une clé. Et oui, j'ai trouvé une clé. Et voilà. Ici, nous avons un coffre. Bordel de merde. Je n'ai pas la clé, je crois. Continuons. Et voilà. Oh putain. Bon. Je crois qu'il faut que je remonte par. Attendez, je vais aller voir la map. Oh putain. Et voilà. Nous sommes là. Il faut aller dans la pièce en rouge. D'accord, allons-y. C'est la pièce ici. Ramassons cet item. Des balles. Merci beaucoup. D'accord. Et voilà. Oh putain! Notre ami, il est là. Montons un peu le volume. Et voilà. Call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio and he's missing. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. Ok, c'est la place où il y a toutes les caméras pour voir dans tout le parc où on est sur l'île, je crois. Et puis on peut tout voir ici. We
can investigate that area after we finish our sweep of the ground. Okay. Then you work your way in, grab the dock, and then get me back here. Et voilà. Je crois qu'il a débarré les switches pour les lasers, parce qu'il y a les dinosaures. Ici, nous ne pouvons pas y aller tout de suite. Allons-y. Et voilà. En passant, encore une fois, un excellent jeu de Capcom. Oh putain! On peut pas ouvrir ce grillage. Ici, c'est une boîte, on y insère une plug qu'on trouve. Et puis, il y a des items dedans. Et puis, on peut en mettre aussi également. C'est un excellent système. Et voilà, nous n'avons pas de plug. Continuons. Je crois que c'est par là. Oh putain! Et c'est ça les mecs, je peux utiliser les portes laser qui est très utile contre les dinosaures et très amusant en passant. Et voilà. Je crois que c'est... Oh putain! Et là, il n'est pas encore désactivé. Allons par ici. Et voilà. Oh putain! Et voilà, la fameuse entrée à la Capcom, comme dans les Resident Evil. Il y a toujours une place d'entrée comme celle-là, et la voilà. Et oui, on va prendre des mini-kits. Et voilà. Ici, c'est la porte pour sortir dehors, comme Resident Evil. Ici, nous avons l'escalier pour aller au deuxième étage. Comme Resident Evil. Bon. Allons ici, je crois. Et voilà. On est pris ici, je crois. Oh putain! Et oui. Nous ne pouvons pas aller là tout de suite. Et bordel. Allons sur la map. Oh putain. Notre destination, il ne marque pas. Nous, on est dans la pièce bleue. Allons vers le sud. Oh putain. Ok, mon inventaire est full. Je ne peux pas passer par là. Allons en haut d'abord. Et voilà. Loading est en marche, évidemment. Touillons-nous le cul. Ici, il y a un item caché. Et voilà. Ah, on est plein, putain. Ça va peut-être être la fin de la partie 3 de Dino Crisis au PlayStation 1. Un jeu édité par Capcom. C'est un survival horror. Excellentissime. Et puis, je vous remercie et à la prochaine.